nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi et donc le lundi c'est unboxing avec la boutique Biggest Craft. Alors la boutique Biggest Craft, vous savez qu'en général ce n'est que pour la broderie. Aujourd'hui ça va être un spécial accessoire. Voilà. Alors parce que vous savez que je vais avoir ma steampunk, tout ça à faire. j'avais besoin de quelques accessoires, donc j'en ai profité, comme ça je vous les montre. Je pense que c'est des accessoires que vous connaissez déjà, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera toujours utile. Alors, premier accessoire, alors ça il m'en faut toujours. D'ailleurs mon stock commence à baisser, à fondre au soleil comme on dit. Puisque en ce moment, je suis en train de bobiner mes fils. Et donc, voilà. Ce sont les bobinettes comme ceci, en plastique. Voilà. Là, vous avez deux fentes pour passer le fil. Un trou si vous mettez dans un anneau. Voilà. Elles sont en plastique. Là, ça, vous ne le voyez pas bien comme ça, mais elles sont bleues. Vous voyez ? On voit un peu mieux là. Son bleu translucide. Alors, c'est un paquet de 100. Voilà, il y en a 100 dedans. Et elles sont au prix de 4,99 €. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est pareil. J'en ai déjà, mais j'en ai toujours besoin. C'est très pratique quand on utilise les métiers à broder, les quick-snaps, tout ça, pour tenir vos toiles. Quand vous avez des grandes toiles que vous avez besoin de replier, par exemple, c'est très utile. Et ceux-là de pinces, elles sont vraiment nickel. Vous voyez, les pinces un peu poisson. elles sont super solides. Elle s'abîme pas, moi j'en ai depuis un petit moment et bon, ça bouge pas. Elles sont pas dures du tout, donc même si vous avez des problèmes dans les mains comme moi, au pire y a pas de problème hein, pour les pincer. Alors ça, les pinces, j'ai pas mis le prix. J'ai oublié de mettre le prix sur mon carnet, en tout cas. Donc, je vais vous le mettre à l'écran. Alors, vous pouvez l'avoir par lot de 2, par 4. Voilà, il y a différentes façons de choisir. Donc, voilà. Moi, ces petites pinces-là, je vous les conseille. Elles sont vraiment top. Ensuite, j'en ai déjà plusieurs. Je sais, j'en ai grand, j'en ai des carrés, j'en ai un tout petit aussi. Le tout petit, bon, j'aime pas trop. C'est des quick-snaps, mais vous savez que moi, mes quick-snaps sont déjà sur plusieurs broderies. et je n'aime pas, comment je vais dire, dès que c'est sur une broderie, tant que la broderie n'est pas finie, je le laisse. Je vais avoir un quick-snap pour 4 broderies, par exemple. Non, parce que je ne vais pas m'amuser à enlever, remettre. Non, je n'ai pas envie. J'ai déjà plusieurs quick-snaps. Et celui-ci, voilà. C'est le grand. Enfin, le grand. Oui, c'est un grand. C'est un rectangulaire. Alors, niveau taille, il fait 43,1 sur 27,9. Voilà. Alors, c'est comme d'habitude. Reportez-vous. Alors, si j'y pense, je vous mettrai le lien dans le petit. J'avais fait une vidéo pour montrer comment se servir des quick-snaps. Donc, vous avez deux barres. Hop là, deux grandes barres comme ça. Voilà.
Sur chaque barre, vous allez avoir les clips. Je vais les enlever sur le petit plutôt, ce sera mieux. Donc là, vous avez un grand clips dessus, sur chaque barre. C'est ce qui va vous servir à tenir votre... comment ? Chaque fois, c'est... Quand c'est neuf, ça tient bien. C'est ce qui va vous aider voilà, à tenir votre broderie. Voilà, la toile de votre broderie. Les angles sont comme ceci. Alors, ils sont en forme de fleurs, si voilà, vous voyez. Et dedans, ça fait comme des petites rainures, comme là, vous voyez. Là, elles sont, je ne sais plus comment on dit, concaves, là, ou... Enfin, bon, là, c'est creusé, et à l'intérieur, c'est bombé, voilà. C'est ce qui permet que votre barre ne tourne pas pendant que vous la manipulez. Vous voyez, là, ça ne peut pas tourner. Et vous avez bien sûr deux petites barres, voilà, comme ceci. Et il y a donc, hop, je vais en enlever qu'un seul, hein, l'éclipse, voilà, comme ça, voyez. Alors pareil, il y a des rainures dedans. Alors, est-ce que je vais savoir vous les montrer, les rainures? Oui, là, ah, je ne bouge plus. Vous voyez les rainures, là? Alors ça, c'est pareil, c'est pour éviter que votre toile glisse. C'est un système qui vous permet de bien tenir la toile. Voilà. Alors, moi, en plus, je mets, quand je mets ma toile, je mets un morceau de feutrine ou de tissu en haut, sur les côtés et en bas. Comme ça, quand vous avez besoin d'enlever votre toile, c'est plus facile. Déjà, ça n'abîme pas, hein, ça n'abîme pas les toiles, mais ça protège encore un peu plus votre toile à broder. Et en plus, ça vous aide. Voilà, le tissu va se mettre là. Vous allez soulever. Vous le verrez dans mon autre vidéo. Ça vous permet de retirer votre toile plus facilement. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à l'assembler. Hop. Rien de compliqué. Hein. Voilà. Alors, ça existe comme celle-ci, hein, en 43 cm sur 27. Vous avez aussi, alors celle que j'utilise beaucoup, la carrée qui fait 27,9 sur 27,9, pour être précise. Voilà. Et après, vous avez encore du 20 ou 21 cm, je ne sais plus exactement. C'est la taille en dessous, donc on va dire 20, je ne sais plus la taille exacte, 20 sur 20, voilà. Et il existe aussi encore des plus petits. Mais les plus petits, non. Si vous avez besoin de faire des toutes petites toiles, là, je vous conseille plus les tambours en plastique, vous savez, pas en bois. En bois, ça glisse, ça bouge, c'est pas la peine. Prenez les tambours en plastique. Mais pour faire des petits ouvrages, il y en a des tout petits, c'est beaucoup mieux que le cuisnap qui lui du coup est plus épais et va prendre plus de place sur votre toile. Voilà. Voilà. On va se faire une photo vignette. alors, ce cuisnap, il est au prix de 11,96 €. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous n'aurez pas vu grand-chose, mais ce sont des accessoires que vous devez avoir dans votre matériel de broderie, parce qu'ils sont très utiles. Les cuisnap, c'est vraiment nickel. Je vous conseille également... Enfin, vous pouvez les tenir à la main, hein, mais bon. Je vous conseille aussi, c'est de les tenir. Je vous ai déjà montré dans ma vidéo comment je suis installée. De les tenir avec des pinces, voilà, comme ceci. Donc là, il n'y a rien de plus facile, hein, vous voyez. Hop. Voilà. Donc ça va être sur la table. Bon, là, vous ne voyez pas bien, mais allez voir mon autre vidéo.
Et puis comme ça, vous en mettez une de chaque côté, bien sûr, de pince. Ça, vous l'accrochez à votre table, à votre bureau. Et vous pouvez du coup travailler en main libre avec le Q-Snap. Voilà. Je regarderai s'il y a le lien dans la boutique des pinces. Et je vous le remettrai en barre d'infos également. Si j'oublie pas. Voilà. Bah écoutez, moi, le Q-Snap, du coup, je ne vais pas le démonter. Parce qu'il va me servir à préparer ma toile pour le steampunk. Voilà, pour la broderie steampunk. Ça y est, je vais pouvoir enfin la commencer. Bon, je ne sais pas si je la commence ce week-end ou la semaine prochaine, je verrai. Bon, là, à l'heure où vous regardez la vidéo, je l'aurai très certainement d'ailleurs commencé. Voilà, on en reparlera. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Mais moi, je n'oublie pas de... Attendez, je regarde. Est-ce que j'ai un code avec eux? Je ne les ai pas tous marqués, je crois, mais... Je ne sais pas. Si, si, j'ai un code, que je suis bête. J'ai un code. Je l'ai marqué quelque part, mon code. Il faut que je me fais une page avec les codes. Chaque fois, je le dis et j'oublie. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, le code promo, c'est 3,99 $ de réduction sur votre commande avec le pseudo Didit en majuscule. Voilà, je vous le remettrai en barre d'infos pour pas que vous l'oubliez. Voilà. Et normalement, vous pouvez encore avoir aussi des promos sur le site. Si vous dépensez une certaine somme, vous pouvez avoir une boîte mystère. Je pense que c'est encore d'actualité. N'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'il fallait acheter pour 29 €, 29 $, oui, 29 $. Et du coup, vous avez le droit à une boîte mystère qu'il faut que vous rajoutiez dans votre panier. Voilà. Ça s'appelait la Bling Box. Voilà, la boîte mystère. Mais c'est des petites choses que je vais remarquer sur un petit mémo parce qu'à chaque fois, je cherche et j'oublie. Allez, maintenant je vous laisse. Je remercie encore la boutique Bigscraft. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.